sentais qu'elle voulait être avoir quelque chose pour être connectée avec moi, je pense. Parce que je me souviens que tu avais dit une fois, je suis peur si t'arrive quelque chose quand on n'a rien qui nous connecte. C'est comme j'étais rien dans ta vie. Alors là, j'ai vite décidé de demander au mariage, je pense. J'étais appelé par l'équipe pour aller faire Hambourg. Et puis après, en revenant, le lendemain, j'avais un jour de repos. Et j'avais décidé d'aller marcher sur un endroit qui était spécial pour Astrid, où elle aimait bien aller à Gérone. En revenant d'Hambourg, j'étais allé chercher mon bague. Et après, on a marché comme ça, en jogging, avec la bague dans mon poche, bien sentir tout le temps que je ne la perdais pas dans les bois. Et là au-dessus, sur le château, j'ai demandé. Oui. C'est le moment que tu peux exprimer vraiment ton amour pour ta femme et que tu peux le montrer à tes proches. Ça, c'était le plus important, je trouve, au mariage. Weer. Doe dat al zo 2000. Oh, is dat? Ja. De eerste fase 2300. En dan nog een keer met de gymnastiek uit het bed. En doe er dan nog een keer 300 of 400 mee. Dat is voor de losers aan de voet. Dat is mijn vrouw. Zo, 2007 is ze overleden. Nee. Ja. En ik kan hem dat ik overstellen. En dat komt uit de reden dat ik niet bij mijn ouders heb ik weer geweest, eigenlijk. Zo, mijn ouders, 's morgens, moesten om 5:30 al vertragen, de voeten naar, naar de grenzen, voor op de bus te staan. En kwam s'avonds thuis, zuster goed voor te eten en te slaan. Zo, ik moet zeggen, van de zaterdag en de zondag contact met mijn moeder moest ik anders dus altijd alleen in mijn plank dragen. En nu moet ik op mijn plank dragen. En dat is dat, dat ik er like, beter over kan. Omdat ik altijd zelf moet veel alleen gaan doen. Nee, niet meer. Je pense que pour mes fils, Mathieu et David, que c'est important qu'on soit derrière et que tous les dimanches, allez, en cyclocross, parce qu'en route et en mountain bike c'est un peu différent, mais qu'on se retrouve tous les week-ends en famille. Et c'est vraiment oui, un moment familial. Mathieu est très extraverti, il a beaucoup de caractère, il peut vraiment se faire mal sur le vélo. David est beaucoup plus calme, plus introverti, mais il a aussi beaucoup de caractère. En quelque part, David a encore plus de caractère parce que pour lui, c'est pas toujours facile, quoi. Met start nummer 1, regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel. Met start nummer 5 voor Nederland, David van der Poel. En tant que mère, c'est des fois difficile de voir Mathieu qui gagne normalement assez facilement, pas tout le temps, mais et David qui a plus de mal, qui et en tant que mère, on va toujours vers celui qui a le plus de mal, quoi.
Jalousie ou aucune concurrence, je peux pas dire concurrence puisque malheureusement Mathieu est toujours devant, donc je trouve ça dommage des fois de pas aller, de pas les voir tous les deux devant pour vraiment faire la course quoi. Je werkt nu een jonge gast bij ons, Philippe Jansen. En die is zo goed en die heeft zo goed contact met de renners. Die hebben dezelfde interesses, dat is normaal. Hè? Die is 30 jaar, die gaat naar de Kamer. Ja, die kan over dezelfde interesses meespreken. Die kan over. Die werkt op een manier van spreken, die speelt spelletjes op hun smartphone samen. Dat is normaal, hè? Ik weet een tijd van Johan en Tom was het ook nog zo. Je bleef daar soms een half uur op de kamer zitten hè, en je praatte over alles. Hè. Over het leven buiten de koers, over uw interesses, over hun interesses. Ook over situaties thuis en die dingen. Ik ben voor de meeste en voor veel renners een klankbord. Hoewel dat je nu wel begint te voelen dat die leeftijd, moet daar eerlijk in zijn, het is ongeveer het moment van te stoppen. Ik was vorige week op stage met de ploeg dan. Ik denk dat mijn meest professionele decemberstage ooit is dat ik heb gedaan. Het is echt goed. Ik start op nog niveau eigenlijk. Maar eigenlijk rustige wintertraining. Als ik de testen zag ook en zo. En ook mentaal in de ploeg zit ik goed. Oui, à fond. Ça change très fort. Il pleure pas chaque nuit. Mais non. Il est super confiant, il est de bonne humeur. Au niveau du moral, c'était parfois un peu compliqué. Et maintenant pas, il est vraiment super motivé. Il sent que l'équipe a confiance en lui. Et je crois qu'il est impatient de pouvoir montrer ce qu'il a dans le ventre. Ouais. Exfolieer me goed, door morgen ongeveer een uur gymnastiek en ik heb mijn eten van OCM mee in de week en de zaterdag en de zondag terug op mijn plan. Ja. Als dat mijn lid, als ik er baas van ben, hè, gaan ze er niet mee lachen, gaan ze het niet goed moeten dragen. Hè. Het is open dat nog een beetje duurt, want als ze ermee zien en een beetje voor reclame en doen, zijn ze er dan, oh, alleen tot hij 100 jaar werd. Ja. Dat zou maar bok in een rolstoel zijn, zeker, ook al roken. En dat kan ik hier ook bij moeten. Ik ga er niet eens op, zeker. Ja. Dat is voor twee personen. Kijk, het zegt dat ik hier nevens.
misschien wel.